Salut tout le monde, c'est Ezor, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour l'épisode 3 de notre série sur Echo. Alors je voulais juste avant de commencer cette vidéo vous prévenir pour certains qui m'ont demandé dans ma dernière vidéo quand est-ce que j'allais ressortir des épisodes sur The Forest. Ça sera donc samedi, je suis vraiment désolé, j'ai pas pu vous en sortir cette semaine parce que Lakers a été occupé avec son travail, donc il, malheureusement ça s'est mal tombé, il était pas disponible cette semaine. Donc il le sera samedi, donc je tourne un épisode samedi et je sortirai du coup la vidéo dans la soirée, donc je suis vraiment désolé, la prochaine fois ça sera beaucoup plus rapide parce que c'est vrai que c'est mieux d'éviter de sortir des épisodes, on va dire une fois toutes les semaines. C'est mieux de les sortir assez rapidement, donc vous inquiétez pas, je continue. C'est quoi ça? Ok, donc du coup, donc voilà, vous inquiétez pas, ça va continuer. Il n'y a aucun problème. Pour cet épisode là on va donc installer des éoliennes, hyper important pour, on va dire, avoir de l'électricité verte pour éviter de polluer le moins possible. Et on va donc faire tout ça maintenant avec Oreo et Atlysia. On avance petit à petit sur la ville, donc ça c'est cool. Donc petit à petit voilà, elle évolue très très bien. Il reste plus que 24 jours avant que la ville, donc avant que la météorite explose. Donc on devrait y arriver, il devrait pas y avoir de soucis. N'oubliez pas, vous avez le lien de MMOGA dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez acheter Fortnite, PUBG, des jeux moins chers que sur Steam, tout est dans la description. On est parti donc pour poser cette fameuse éolienne. Ok, du coup on va poser une éolienne sur le toit de la maison des métiers. Et la comète est à 25 jours, donc il nous reste plus que 25 jours avant qu'elle atterrisse. Donc on a intérêt à... Là pour moi ça avance bien. Ça avance bien, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on a déjà posé des éoliennes. Donc vas-y Oreo. Pousse-toi Tisa. Je te laisse la poser. Essaye de la poser au centre si tu peux. Enfin d'une façon que ce soit... Ouais t'inquiète. Même un peu plus à gauche je pense là. Est-ce que tu peux la poser en face? Genre... ou sinon faut obligatoirement genre que les hélices... Plusieurs, en fait. Ah tu veux en mettre plusieurs? Faut que j'en mette beaucoup. Ah d'accord, ok, bon bah vas-y. Je cherche juste... Que ça soit à une bonne distance et... Bah de toute façon... Et ici ça va là vas-y. Si je peux pas. Hop, voilà. Comme ça du coup? Comme ça, ça devrait être bon. Ouais. Je vais aller voir en bas, ça, je vais descendre voir si... Ah, est-ce que ça me donne du jus? Ouais, logiquement, ça me donne 4500 watts. 4500 watts? Ouais. Ok, nickel. Alors venez en bas, juste en dessous. Ah, le top. Ouais, c'est sympa. Ouais. Comme ça, tu vas pouvoir... Ouais, vas-y, j'arrive. Enfin, juste en dessous, hein, pas... Oui, ouais, non. T'as pas vu la cuisine qu'on a fait encore? Ouais, si, je vais montrer déjà le. J'ai montré en début de vidéo la cuisine. Celle-là? Ouais. Nouvelle? Ah non, vous avez. D'accord, ok, oui, j'avais déjà montré, Oui, celle-là, okay, j'avais déjà. Maintenant, on va avoir. Grave simple la cuisine. On va avoir un truc ultra stylé. Oui. Ah, cool. Beaucoup mieux, ouais. Alors ouais, attends, juste. Alors attends, pousse-toi, Ezor. Beaucoup bien. Attends, je vais essayer de la reposer, la lampe. Hop, si hop. Possible. Un frigo. Ah, on peut pas. Ah, oh, dommage. Bon, tant pis, je vais le poser. Hop, un petit frigo. Je vais la poser ici. Hop. Et tu viens de poser un petit frigo. Ah, le top. Ouais, nickel. Il manque juste du tier 3 en métal, mais pas grave. Ça open. Et du coup, on va pouvoir stocker des aliments plus longtemps ou qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dedans? Je pense parce que, je sais pas, ça affiche rien de spécial, donc je sais pas ce que ça va offrir. Je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est mettre les fenêtres, les décaler. Peut-être à droite au-dessus du siège, parce que là elles sont cachées du coup par les frigos. Les fenêtres... Ou sinon, tu décales le siège, on le met ici, et le frigo tu le mets là. On peut faire ça au pire, vas-y, on va faire ça. Je vais le récupérer. Moi je vais faire. Tu peux montrer aussi, je m'occupe de l'aération des. Vas-y, attends, deux petites secondes, je vais juste récupérer le. Des fumées. Ouais. Et le frigo est juste ici, c'est-à-dire. Bah ça, rien. Ah d'accord, ok. Ouais. Ok. Et alors le fauteuil ici, voilà. Et le frigo. Non, on va le mettre comme ça. Ah, je peux pas le mettre plus loin. Bon, ça a l'air bon comme ça, je pense. Hop, est-ce que ça vous va comme ça plutôt? Nickel. Hein. Ouais, c'est mieux, hein. Comme ça au moins on a les fenêtres. Attendez. Ah merde, je peux pas le mettre. Oui. Hop. Bah c'est super sympa comme ça. Tapis. Ah le tapis, le top. Super sympa. Franchement, non, c'est cool. Peut-on éteindre la lumière? Oui. Bah il clique droit, non, j'imagine. Ouais.
Ok. De toute façon, ça consomme que de l'électricité et ça se fait avec le machin. Avec l'éolienne. Donc oui, ça, c'est cool, c'est qu'avec les éoliennes, ça nous permet d'avoir de l'électricité et de ne pas polluer, du coup. Alors, c'est juste, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, une pollution visuelle, mais bon, ça, c'est sympa encore sur le jeu. C'est plutôt, plutôt cool. On va pas se servir des centrales à charbon et tout, on va faire que... Ouais, faudra qu'on pose aussi du pétrole. On en a, ouais, on en a, faut poser. Bon, finalement, on a réajusté les éoliennes, on en a mis 4, donc forcément, il y aura un peu plus d'électricité. Donc c'est tant mieux. Et puis il faut les mettre sur le toit, voilà, pour que ça marche, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais redéplacer les petites éoliennes qu'il y a là, parce qu'elles sont... Je vais mieux les mettre. Hop. De ce côté-ci, si possible. Lesquelles? Celles qui sont à côté du pétrole. Ah. Ok, c'est bon. Voilà. Je vais lancer juste un craft, moi, vite fait. J'ai récupéré des tomates et le pétrole, c'est bon comme ça au moins. Hop, on a deux éoliennes qui vont pouvoir récolter du pétrole, donc ça c'est cool. T'as galéré pour crafter les foreuses les... ou pas? Non, ça va, c'est pas si galère que ça, il me semble. Non, ça va, ok. Bon, bah, je sais plus. Non, bah, tant mieux, c'est pas, alors, pas trop galère. Il me faut du sable. Est-ce que tu peux aller me prendre un truc de sable, s'il te plaît? En bas. Où? Au bord de l'eau. Tu veux combien de sable? Juste un. Ah, ok, bon, du coup. Je te prends juste avec ta pelle. Ouais, c'est ce que je vais faire ça. Ouais. Alors, Ezor, une fois que t'as fait ça, c'est bon? Ouais, donc on dépend de ce qu'il. Maintenant, tu vas dans tes skill points. Ouais, là. Qu'est-ce que tu veux que je monte? Alors, t'as Taylor déjà. Taylor. Ouais. Ouais, alors du coup, je monte Learn, donc un point. Spécialité. Ouais. Enfin, dans spécialité, tu mets un point. Je mets un point pour le t-shirt et un point pour et le. Et après, tu mets juste un point pour le close production à droite. Le bleu? Le bleu, bah ouais, je le tissu, sais pas là. Couleur, toi, ouais, le... ouais. Ok. Et ensuite? Et pour l'instant c'est tout, pour ça. Ok. Ensuite. Après pour le reste tu peux aller dans boucher. Boucher. Et dans chasseur. Ouais, chasseur. Et j'apprends boucher du coup? Ouais, t'apprends boucher. Ouais, ensuite? Tu montes... Attends, parce qu'en fait il y a les... Atlysia, tu vas me dire ce que tu trouves le plus, hein? Aller plus vite, mais... Bah mets les trois, alors. De quoi? Trois premiers. Les trois premiers. Allez, go. Tu montes juste le level... tu montes le premier, level 3. Alors le level le large, 1, donc le large, tout à gauche. Le large, ouais, c'est marqué large, chérie, tu le montes level 3. Ouais, c'est bon. Ok. Bah mets le niveau 4, alors. Ouais. Hop, voilà. Et en bas, c'est le temps, donc on s'en bat les couilles. Ok. Maintenant, tu peux aller dans hunting. Monte. Ouais, le level 1, tu le mets à fond. Level 0 le là. Ouais, okay, tu le mets niveau à fond, le bas ou efficiency. C'est bon, level 5. La pêche, tu t'en fous? T'es sûr? Je sais pas, je te demande. Bah non, je peux pêcher si vous voulez. C'est quoi Predatory Instinct là? Ah oui, ça tu le mets à fond. Aussi? Ouais. Non. Tout à droite. Bah c'est mieux parce qu'au moins les animaux se barrent pas quand t'es à côté. Ouais, mais c'est trop facile de chasser, je te promets. Vraiment. Ouais, mais tu chasses quoi? Bah tout, les lapins, bison, les trucs, lapins et tout, c'est vraiment. Mais est-ce que tu chasses les renards et les loups? Bah les loups c'est facile, les renards j'en ai jamais chassé, non. Ok, et c'est quoi le truc? Ah attends, c'est quoi le truc en dessous l'arc là? Bah je sais pas, ça me marque. Ok, pas bon le, bah regarde lui d'en dessous. Lui qui est en dessous, lui je mets level 3. Level 3? Ok. Ouais. C'est bon. Il te reste des points là? 66. Ok, bah garde-les. Ok. Du coup c'est bon, je monte rien d'autre? Non. Mais on va du coup, ouais. Non, attends, on va du coup, chasser, ouais. Bing. Oh, le truc est craft là où je crois. Le désert, il est grand quoi. Oh. Au pire, qu'est-ce que je veux dire? Tu craftes. T'as le vulture. C'est le prise. Auréo, tu lances le craft du râteau et le râteau, je prendrai. Bah, il va être fini là. Je le prendrai demain, comme ça au moins je. Ah, je suis en train de te ramener le bois. Attends, là. Le lapin, ouais, c'est pas long. C'est un don de la farce. Je vais être touché. Allez, bien c'est bon, joué. Je l'ai fini. Mais quel travail d'équipe. Exactement. Bon, du coup, bah on vas-y. On les bois, allez, on va chercher un, bah, loup, on un va cerf. On va chercher un loup et un cerf. Pour cette chasse, il y a un loup et un renard là-bas. On va essayer de se faire le renard, tu vois, carrément. Il bouge pas. Fais-toi un renard. Ouais. Merde, putain, j'ai tiré la flèche sans faire exprès. Il me reste plus que 4 flèches là. Donc j'ai. Je t'en passerai. Ah non, je peux pas. Bah, soit on garde des flèches pour le cerf, parce que... Ah bah y'en a un là.
Il se faufile. Allez hop, on y va. Ah mais... Bon, ça... Ah mais il sert de mes planches pour ça depuis tout à l'heure. C'est bon, touché. Tiens, faut pas que je me loupe juste en facile. Ouais, je l'ai. Avec la c'est chaud de pas le perdre. Avec la fauche, je peux prendre. Monter à gauche là. Faucher des baies et tout, c'est ça. Où est-il, où il est? Il est là. Ah punaise, j'ai loupé ma flèche. Donc il va falloir que tu mettes la dernière, je pense. Ah, c'est cette merde là. Putain, avec toutes visu. Les boss et tout, c'est un peu galère. Il fait que de faire des droits de gauche donc. En visu. Touché. Ah, mais il est mort. Oh, j'ai mis dans la tête, je crois. Ah non, ok, c'est bon. Deux flèches, ça suffit amplement. Y'a un loup. Et, ok, il est où? Pas dire, je sais pas où t'es. Les amis, où mes 22 planches là? Alors, faut qu'il te fasse quoi avec la viande, Thésia? Donc, je le coupe ici où je suis? Ouais, coupe ouais. Là. Ok. Donnez des choses plein, je hop, crois, ensuite, je fais le cerf. Bah, je ouais, fais bah, tout, mets tout en même temps, ouais. Hop. Le lapin. Hop. Ok, c'est bon. Ou tu t'occupes juste de planter et Atlésia fait le pain aussi? Non, je peux faire les deux. Si ça peut l'aider, je peux planter. Et, alors, comme elle veut, à part si elle veut vraiment s'occuper du pain, moi je m'occupe du blé quoi. Atlésia, à toi de répondre. Tu veux la mettre ici la machine encore? Bah, il faut mettre la machine. Alors, toi. Elle veut faire. Tu veux faire quoi, Rio? Je peux la mettre là ou sinon, non? Attends. Elle est déjà fort chargée, je trouve. Ah, c'est ouais. Bon, pose-le au sol pour voir. Je veux dire, est-ce que. Juste pour voir déjà la taille. Le coffre, il m'en fond à un côté. Hein. Là, voilà, ça ressemble à ça. Oh, c'est gros quoi. Ouais, c'est assez gros. Hein. CMB. Alors. Attends, on peut faire un truc tout simple, Atlésia. Hein. C'est que je te rappelle que. On peut. Quoi? Non, mais attends, on peut réaménager différemment en fait pour gagner de l'espace. Bah, oublier qu'il y a une pièce de libre encore. Ah bah voilà. Ouais, après, bon, pire, après tu prends toute la maison pour toi quoi en gros. non, bah c'est soit on réaménage, tu peux on prendre réaménage un petit mieux. Espace là. Hop, tu vois là, tu peux prendre un petit espace là. Ouais, j'en ai fait une petite extension ici. Ouais, petite hein. Il y a moyen de changer de place ça? Non, ça va être pourri, ça rien. Non, c'est mieux de laisser comme ça. Moi, ouais, il faut soit élargir, soit virer la table de boucher. Ah, là, comme ça, viens, tu as ça comme espace en plus là. Tout ça. Ça va, bah voilà. Jusqu'à là. Là, je vais mettre les coffres. T'as jusqu'aux deux fenêtres. Ah oui, ok. J'aimerais pas, je trouve ça fait beau justement le petit passage, non? Ouais, mais je vais le laisser juste comme ça, je pense. Ah oui, voilà, comme ça. Ah, faire genre une mezzanine. Non, je pense que je peux prendre mezzanine, moi. Cuisine américaine. Ouais, et tu remets voilà, ce en comme ça. Moi je laisserai sur en dessous. Non, en dessous tu peux les laisser mec. Hein. C'est, ouais, c'est beaucoup plus ouais, c'est plus joli. Ouais. Là ouais, comme ça ouais. Vas-y. Mais je peux mettre. Je peux remettre des vitres à la place. Bah tu peux mettre des vitres là si tu veux. Ou tu peux laisser comme ça, hein. C'est très bien aussi. Non, mais des. Je sais pas. Ah, mais j'étais en train de l'écraser. Bah le coffre du coup, celui-là on va l'enlever. Parce que comme ça fera plus de place pour passer. Oui, tu le bouges. Ouais, on va le bouger ouais. Vas-y, déplace les trucs à te lire. Par contre, j'arrive pas à faire. Ça me saoule! Non, mais vire-le, ouais, vire-les, voilà. Désolé, je m'en fous. Il est trop tard. Heures, prends les coffres. Oui, deux secondes. Allez, hop. Hop. Pas le temps de niaiser. Hop, les coffres, il y en a qui veulent aller dormir là. Hop. Bah, tu peux la caler plus au fond. Attends. Non, impossible de la mettre plus au fond, c'est trop de la merde. Non, mais pas au fond, mais. Sauf si tu la tournes. Vas-y, remets le tapis. Attends, je remets le canapé avant, c'est plus simple. Voilà. Tu l'as enlevé encore? Ah oui. Pourquoi tu l'enlèves? Parce que. Hop. Ah, faut que je recule un peu. Mets-le le plus au fond. Voilà. C'est plus sympa. Ouais, mais c'est pas RP parce que c'est pas le bon côté. Allez, mais c'est à l'autre côté qu'il faut la mettre. Ah, l'autre côté, bah c'est pas grave, je rechange. Bah, tu vois bien que la pelle elle est inversée là. Oui, non, mais certes, ouais. J'ai pas fait gaffe à la pelle. Ah, oui, hein. Hop. Voilà. Tu fais de la farine maintenant, les gars. Est-ce que tu peux le faire dedans au moins? Regarde ce qu'il te faut. Bah, du blé, j'imagine. J'ai mis il y a plein de blé normalement dans les coffres. Non, il faut pas forcément que du blé. T'as besoin de radis pour faire du sucre.
chelou, des baies. Ouais, des baies pour faire du sucre. Après, j'en ai lancé. Ouais. Et pour ah merde, faire attends, il manque quoi, statue J'avais mis toutes les ressources de boucle là. Attends, power grade, as insuffisant de power. Power, mécanique. Oh non. Quoi? C'est pas de l'électrique qu'il veut comme électricité. Il veut de la mécanique, c'est-à-dire. Genre une éolienne en bois de merde. Ah bah vas-y. J'en ai une là. Enfin, tu vois, je vais le mettre, ça va direct marcher. Ouais, c'est bon, là, maintenant ça marche vu que t'as posé l'éolienne, je sais pas trop où, mais là. Je l'ai posé bah, où elle était avant. Ouais, du coup, vu que ça marche pas l'électricité, faut mettre une éolienne en bois, ok. Pour que ça puisse marcher, pour qu'on ait puisse faire fonctionner la. Tiens, regarde ta baie vitrée. Elle est où? Waouh. Il y a une éolienne ici et l'autre, elle est où? Non, je rigole, on peut pas te la donner. Non. Allez, bah, tu sais où il y avait la grande roue avant? Oui. Bah monte sur toi. Oui, c'est bon, je suis. Bah tu la vois pas là? Regarde, là. Tu vois pas les hélices? Celle-ci là, ah. En face? Oui, c'est ah, ça. Mais si, mais je l'avais. Mais elle était déjà posée tout à l'heure. Je l'avais enlevée. Ah, d'accord, ok. Ah, ok. Du coup, ouais, c'est ça qu'il faut. Ok. Et pour le blé, c'est bon, il me faut juste du blé. Donc je crois que j'en ai sur moi. J'en ai 100 sur moi, donc de la farine, pardon. J'en ai 100. 50 dans le coffre. Ouais, donc j'ai coup... 50 milliards de graines en plus. Ouais, moi aussi. J'en ai remis un peu. Mais du coup, ouais, viens voir les recettes pour le pain, toi, Tizia. Il faut que tu dises à Ezor ce que tu veux. Mais j'ai pas backing, moi. Mais. Ok, voilà, il y en a pour ah, oui. Un, par contre. Hein. Ezor, est-ce que t'as backing, toi? Backing, c'est quoi ça? Le pain. Bah non, il a pas. Ça veut dire que je l'ai pas. Attends, backing. Je crois qu'on l'a même pas appris si. Backing. C'est marqué quoi, Tlisa? C'est marqué Not Learned ou. C'est dans chef? Si, c'est Not Learned. Backing, non, je l'ai pas appris. Le livre? Non. Non, pas si encore on a le livre. Ah, non, on a le livre. Faudrait que j'apprenne du coup pour. Bah, au pire, ah, Tlisa, pas à peine que. Au pire, si, comme ça, si jamais t'es pas là, je peux faire du pain. Ouais, ouais. Moi, je vais m'occuper de tout ce qui est cuisine plutôt. Je crois que c'est mieux. Le livre parce que. Écoute, je suis sincère, il est tard. Ouais, ouais comme moi ça. Je trouve que c'était beau comme ça. Ouais. Ok. Alors, on avait dit ça. Tu sais remettre les. Attends, la lampe, je vais pas la mettre ici parce que du coup. Je peux rien lancer maintenant. T'as dit quoi? Des ressources. Genre, j'avais besoin de. T'as besoin de quoi? Des lumières. J'ai plus de nom. Tiens, ce qui me reste, c'est ça. Regarde. Hop. Hop. Ouais, ouais, nickel. Hop. Qu'est-ce que tu fais? Devant la maison? Ouais, devant la maison. Ouais. Regarde derrière toi. Ah, super ça. Nickel. De toute façon, il va falloir aménager. Je vais avoir des idées pour aménager la place de devant. Là. Faire un truc plus joli. On arrive du coup sur la fin de la vidéo, on a pu aménager du coup la cuisine, poser nos éoliennes. Vous avez pu voir aussi un petit peu ben, pour pouvoir récolter du pétrole. Donc bon, ça a pris un peu de temps, mais c'est important qu'on ait vraiment une bonne salle de cuisine. On a aussi hors vidéo posé une machine à laver pour Tiffen, comme ça elle pourra s'amuser. C'est cadeau, c'est la maison qui offre. En tout cas voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça permet de partager un maximum la vidéo. On se retrouve ce soir en stream si je peux. Ça serait bien que voilà ma 4G remarche correctement. Et samedi bien sûr n'oubliez pas la vidéo sur The Forest. J'espère que ben, elle vous plaira. On se retrouve donc très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes futures vidéos sur ma chaîne. Merci encore à vous et à la prochaine. Ciao tout le monde, à plus. Bye, ciao ciao.